good evening and welcome to the BMG. For those of you who can and this being a country of lateral community, and it's been confirmed again last night when His Excellency Mr. Jack Long from the City University of Culture and was given the highest cultural honour. Was giving the minister the highest cultural honour that France can bestow. It was again an indication, a confirmation of Qatar's place in the Francophone world, which is extraordinary when you come to think about it. I'm absolutely delighted to have the opportunity to introduce to you two people. In fact, first of all, a very good friend of Georgetown, the ambassador, France, who will in fact be with us for a conference for a prison paper. Discussion. But Sir Jacques Long, who in many ways doesn't need an introduction, of course he is a long-standing icon of French politics and culture. And as though some of you may not know, and perhaps Minister Long may not know, one of the claims to fame of Georgetown University School of Foreign Service is we are the only university that I know of that have a degree, a major in culture and politics. And I think Minister Long is the epitome of this combination. I will introduce him, even though he doesn't need an introduction. He is someone with very lengthy political experience, very high in the French Socialist Party. He was a deputy in the French Parliament. He was also a European parliamentarian. But of course, one of the things that strike me in his CV as well is he was twice high up in a successful French presidential campaign, twice with President Mitterrand. He has also been a long-standing professor of international and public law at various French universities. He's written any number of books, some more political, some quite academic, on international boundaries, on, for instance, another very interesting title, The State and the Theatre, and so on. So you see, I have a very rounded person, somebody who fits amongst the academic world as easily as he does politics, as easily as he does in the world of culture. You may know that one of France's premier institutions, as far as cultural institutions, as far as this part of the world is concerned, the Institut du Monde Arabe. If you haven't been there, go. It's a fabulous building, and it's also very interesting in terms of content. He is the president of the Institut du Monde Arabe, the Institute of the Arab World. This is really an iconic institution of its kind in Europe. He's also been, he's shaped, in a sense, part of French musical culture, the musical culture, created and shaped a number of festivals of music. So, you know, I think I'd probably stop there, but it gives you some kind of picture of how rounded a figure Monsieur Long is and why he's so well known to most people around the world. The intention is to have a very relaxed conversation on the subject of culture, politics, and policy. Very much close to the hearts of many of us here, and some of our students, of course, and faculty. Mr. Long will give a short, not a few remarks, and we'll then have a conversation. I will probably have a few thoughts, a few responses, and we'll throw things open. I think you would very much prefer it to be an open conversation rather than a lecture. Okay, so, if you prefer to use a chair. Yes. I have to speak... En français. Bon, excusez-moi, mais peut-être tout à l'heure, lorsque j'aurai vaincu ma timidité, elle entend ?
je pourrais m'exprimer dans mon pauvre anglais. Je n'ai pas besoin d'établir une longue introduction. Ce qui me paraît important, c'est de répondre à vos interrogations, à des questions, à des observations. Je ne vais pas vous faire un discours préalable long et épuisant. Comment dire, Monsieur le Doyen a bien voulu rappeler quelques points de mon itinéraire. Je n'ajouterai rien et donc l'art me passionne, la culture me passionne, la vie démocratique me passionne, l'université me passionne puisque j'ai été longtemps professeur de droit, l'éducation me passionne, la vie me passionne. Et donc, je ne dis pas que j'ai la capacité de répondre à toutes les questions, mais beaucoup de choses m'intéressent. Et peut-être simplement dire qu'en effet, je suis ici surtout en tant que président d'une institution unique au monde, l'Institut du monde arabe, qui a été créé il y a un certain temps. Et le président français et les pays arabes m'ont demandé de donner à cette institution un nouveau souffle. Et nous avons beaucoup de projets concrets, beaucoup de projets intellectuels, beaucoup de projets artistiques, beaucoup de projets qui visent en particulier à exprimer les métamorphoses, les transformations qui se produisent dans les pays arabes. Vous-même, vous êtes ici en tant que professeur, chercheur, étudiant, dans un pays qui lui-même est en pleine évolution. Naturellement, vous vivez dans l'université ou dans les laboratoires de recherche. Et donc, je ne sais pas si vous-même percevez directement, sans doute, oui, inévitablement, les changements qui se produisent ici. Je suis venu pour la première fois au Qatar, il y a une douzaine d'années. Par comparaison à ce qu'on voit aujourd'hui, que je connais mal, par comparaison avec ce que je vois aujourd'hui, Doha était un gros village, il n'y a pas si longtemps, un gros village, disons 12-15 ans. Il y avait un grand hôtel et le reste, c'était d'ailleurs très agréable, on se promenait le long de la mer et tous ces projets, par exemple, culturels, n'existaient pas. Ce musée d'art moderne qui n'est pas loin d'ici. Je ne sais pas si vous le visitez. Hier soir, j'ai rendu visite à ce musée. Il y avait en préparation une exposition d'une artiste que vous connaissez peut-être, qui est une star mondiale de l'art contemporain. Elle s'appelle Mona Hatoun. Elle est d'origine, je crois, palestinienne, mais elle vit entre l'Angleterre, les États-Unis et la France. Et si vous avez l'occasion, allez-y. Je ne suis pas chargé de la propagande de ce musée, mais c'est vraiment une exposition passionnante. Et le musée présente aussi une partie de la collection des... je crois qu'il y a 5 ou 6 000 œuvres qui ont été achetées, œuvres d'art contemporain. Et ce que j'ai vu hier est très représentatif de la diversité incroyable de la créativité du monde arabe contemporain. Pas seulement du monde arabe, il y a aussi des œuvres venant d'autres pays. Donc c'est passionnant. Bientôt va se construire un musée national sous la direction d'un grand architecte qui s'appelle Jean Nouvel, lequel a construit l'Institut du monde arabe à Paris. C'est lui aussi une des stars de l'architecture mondiale. Il est, j'avais sollicité à l'époque quand il était encore inconnu. Il avait une trentaine d'années.
Et aujourd'hui, dans le monde arabe, il est très courtisé, si je peux dire. Il construit ce musée national ici, il construit à Abu Dhabi une maison du Louvre, on appelle le Louvre Abu Dhabi, qui sera vraiment une très grande chose. Bon, et ainsi de suite. Et ce qui est entrepris par... ce qui a été engagé par l'émir, l'ancien émir, et ses collaborateurs sur le plan de l'éducation, de la santé, de la culture, est assez remarquable. Et puis l'architecture, et puis tant d'autres choses. Voilà. Donc je suis ici pour renouer entre l'Institut du monde arabe et le Qatar, comme avec tous les autres pays, des relations nouvelles. Alors hier, j'ai eu le privilège de visiter, parce que je vois là l'un des directeurs, la librairie nationale, la bibliothèque nationale du Qatar. J'imagine que c'est accessible au public, oui. Oui. Est-ce possible to... Si, non. Pas toujours, pas toujours. Et il y a des collections absolument extraordinaires de manuscrits, de cartes, de livres, d'enluminures, de calligraphie. Et la librairie nationale ou la bibliothèque nationale pour accueillir toutes ces œuvres uniques, construites, un bâtiment nouveau qui a été conçu par un architecte que personnellement j'admire énormément, qui s'appelle Rem Koolhaas, je ne sais pas si je prononce bien, Rem Koolhaas, qui est un architecte hollandais brillantissime. Et le projet sera réalisé ici, je crois, n'est-ce pas ? À quelques pas d'ici, donc vous allez progressivement voir s'édifier cette immense bibliothèque, librairie, qui présentera des œuvres exceptionnelles. Donc voilà, alors, bon, je préfère que l'argent qui est gagné ici par le pays soit utilisé pour des investissements éducatif et culturel ou intellectuel plutôt que gaspillé dans des constructions spéculatives comme l'ont fait certains autres pays. Je ne dis pas que tout est parfait au Qatar, je ne suis pas le porte-parole du Qatar, mais je veux dire simplement que ici, comme dans beaucoup d'autres pays du monde arabe, il y a des changements extraordinaires. Par exemple, je ne veux pas parler que du Qatar, par exemple à Abu Dhabi, on construit ce Louvre, on construit d'autres musées remarquables. Il y a une cité futuriste, si je peux dire, en construction, qu'on appelle Mazda. Je l'ai visitée il y a quelques mois, et c'était impressionnant. Ils disent qu'ils veulent... produire leur propre énergie, donc préparer le futur, un futur où le pétrole et le gaz n'existeront peut-être plus. Et cette cité, non seulement a une ambition écologique étonnante, mais en même temps, architecturalement, là encore, elle associe des architectes du monde arabe et des architectes occidentaux, en particulier un architecte que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Foster. Et Foster a, et ce sera à la fois un laboratoire, c'est déjà un laboratoire, un centre de recherche, une université, un lieu d'habitation. Bon, voilà, alors, ce sont des aspects nouveaux, originaux. Alors, je ne dis pas que le monde arabe, c'est la perfection absolue. Car malheureusement, vous le savez, il y a... Hélas, des zones noires, en particulier la Syrie. Et c'est quand même très profonde souffrance de penser que ce beau pays, ce peuple élevé, éduqué, aujourd'hui est attaqué
120 000 morts, et sans compter les souffrances, une communauté internationale plus ou moins impuissante. Et l'Institut du monde arabe essaye modestement de jouer un petit rôle. Par exemple, nous avons organisé deux journées autour de la Syrie qui a rassemblé des milliers de participants. Et surtout, nous préparons pour les prochains mois deux événements, l'un sur les réfugiés, avec le concours du Haut Commissariat aux réfugiés. Et vous le savez, ces réfugiés sont très nombreux, des centaines de milliers, qui vivent dans des conditions difficiles et qui représentent pour les pays d'accueil qu'il faut saluer des difficultés très grandes. La Jordanie, la Turquie, le Liban et quelques autres. Et donc nous voudrions essayer de saisir la communauté internationale pour qu'elle soit plus active. Bon, certes, on ne réussit pas à arrêter le conflit, mais au moins pourrait-on, sur le plan humanitaire, apporter à ces réfugiés un soutien, une aide, une solidarité réelle. Et l'autre sujet sur lequel nous allons provoquer une conférence internationale, c'est sur le patrimoine historique de la Syrie. Comme vous savez sans doute, c'est un patrimoine absolument unique, d'une richesse exceptionnelle, en particulier le patrimoine romain, mais pas seulement romain. Et il y a eu des destructions, il y a eu la moitié d'Alep qui a été détruite, des menaces sur Palmyre, sur d'autres sites, et puis des pillages. Il y a des gens, évidemment, comme toujours, qui cherchent à gagner de l'argent sur la misère, et des œuvres d'art qui circulent à travers le monde, qui ont été volées en Syrie. Bon, voilà quelques exemples. Alors, on pourrait faire le tour du monde arabe. Si quand même, avant de terminer mon introduction, je voudrais donner un coup de chapeau, on dit comme ça en anglais, je ne sais pas, un salut, un pays qui n'est pas grand par la taille, mais qui est grand par l'histoire, qui est grand par le courage, c'est la Tunisie. Le printemps arabe est né en Tunisie et il a fallu, de la part des Tunisiens, de la part des différents partis tunisiens, un sens élevé de l'intérêt du pays, du courage, beaucoup de courage, pour conclure un compromis. Ils ont adopté, voici quelques jours, une constitution très démocratique. Et vraiment, c'est le juriste qui parle. J'admire que ce pays ait osé et pu être capable de construire une constitution comme celle-là. Dans quelques semaines ou dans quelques mois auront lieu des élections libres et contrôlées sur le plan international, pour l'élection d'un président de la République et pour l'élection d'une assemblée. Et j'espère que la Tunisie va retrouver le calme, la stabilité, en même temps que la liberté, et une liberté des médias absolument extraordinaire, y est assurée. Alors on aura envie de parler aussi du Maroc, qui évolue aussi positivement sur le plan politique. Par exemple, quelque chose que j'admire beaucoup dans la nouvelle constitution marocaine, c'est le préambule. Dans le préambule de la constitution marocaine, c'est-à-dire le début du texte, où on affirme les ambitions du pays, il est écrit, ce qui est quand même exceptionnel dans la constitution d'un pays arabe et d'un pays tout court. Il est écrit que le Maroc revendique la diversité ou la pluralité de ses héritages spirituels et intellectuels. Héritage africain, héritage arabe, héritage musulman, ça va de soi. Héritage berbère, ce qui n'allait pas de soi.
dans certains pays. Héritage hébraïque. Et ce préambule est un hymne à la diversité, un hymne au métissage, et adressé aussi à nous tous. Bon voilà, écoutez, je croyais être court, et voilà que j'abuse de la parole que vous m'avez donnée, monsieur le doyen. Donc, je suis prêt à parler des sujets qui vous intéressent surtout, culture, éducation, politique, démocratie, droit. Par contre, pardon, cher docteur en biologie, je ne suis pas capable de parler de biologie.